3, 2, 1. Alors bonjour à toutes et tous qui nous rejoignaient sur cette édition en ligne de Cyclo à Bordeaux 2021 pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Mais comme vous le savez peut-être, nous sommes physiquement présents à Bordeaux. Pour vous être agréable, un certain nombre de nos participants, de nos intervenants et intervenantes ont bien voulu être physiquement présents parmi nous pour pouvoir s'exprimer devant vous à travers évidemment la vidéoconférence, la visioconférence. Mais comme vous le savez aussi, il y a un certain niveau d'interactivité qui vous est proposé, puisqu'à tout moment, vous pouvez intervenir sur le chat en nous suivant sur la chaîne YouTube notamment, pour vous permettre d'exprimer vos questions ou vos suggestions, de contribuer à ces échanges à un moment ou à un autre. Et je me ferai le porte-parole en temps utile, si vous le souhaitez, de vos interventions. Rebonjour à ceux qui nous rejoignent, puisque cette édition 2021 a commencé ce matin et nous avons déjà eu l'occasion de faire connaissance peut-être à travers les premiers échanges dans les premières conférences de la journée. Celle qui va suivre est consacrée, comme vous le savez, à la coopération et au développement international pour l'eau et l'assainissement. La question se posera de savoir comment les collectivités peuvent participer à ce développement et cette coopération internationale. Sachant qu'aujourd'hui, plus de 200 collectivités en France sont engagées en coopération ou solidarité internationale pour l'eau et l'assainissement. L'action extérieure des collectivités territoriales permet aux collectivités et aux établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, d'agir en portant des coopérations ou en soutenant des initiatives d'acteurs de leur territoire. Le PSO et SO Coopération, dont vous nous préciserez les fonctions et les missions dans un instant, en lien avec leurs partenaires, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne notamment, nous propose dans le cadre de ce salon une conférence de présentation des dispositifs et des modalités d'action disponibles pour les collectivités. Grâce aux témoignages de collectivités néo-aquitaines, vous nous offrirez, mesdames, messieurs, un aperçu des clés pour agir et pour s'engager à l'international dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Cette conférence visant à informer nos auditeurs, nos spectateurs, quant aux possibilités d'intervenir pour les collectivités territoriales en coopération internationale pour l'eau et l'assainissement, au travers de ces partages d'expériences, de la présentation des modalités d'intervention, des financements disponibles, autant de questions qui pourront se poser pour ceux qui nous suivent désormais en direct. Je vais vous proposer une première session sur ce thème dans un instant, mais avant toute chose, je voudrais vous présenter Gérard Pénidon, qui est directeur général de O47, qui interviendra dans une seconde séquence tout à l'heure et qui nous fera justement ses propres retours d'expérience avec le recul dont vous disposez, puisque vous êtes engagé dans ce type d'intervention, de coopération et de développement international à titre personnel depuis de nombreuses années maintenant, Gérard. Mais je voudrais proposer dans un instant à Maxime Guéquière, en face de moi, vice-président de SO Coopération et par ailleurs élu à la ville de Bordeaux, Marion Leriche, qui est chargée de mission donc à SO Coopération, et Irvina Parel de PSO, pour nous parler du programme Solidarité Eau que vous animez et que vous allez nous présenter dans un instant. Donc avant de commencer, juste un mot sur ces structures SO Coopération et PSO. SO Coopération a été créée en 2017 suite au rapprochement de plusieurs entités régionales engagées à l'international, notamment CAP Coopération et Résodi. SO Coopération est aujourd'hui le réseau régional multi-acteurs pour la coopération et la solidarité internationale en Nouvelle-Aquitaine. Quant au programme Solidarité Eau, PSO, dont nous parlerait Mme Parel, il s'agit d'un réseau multi-acteurs français qui s'engage pour garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et à la gestion durable des ressources en eau dans les pays en développement. Alors vous êtes présent en France et à l'étranger, vous produisez de la connaissance, vous accompagnez les initiatives locales
et vous faites la promotion de la solidarité pour l'eau et l'assainissement. Voilà pour introduire très brièvement en vos lieux et places, qui vous permettra d'entrer dans le vif du sujet. Vous pourrez évidemment revenir quand vous le souhaiterez lors des temps d'échange. Mais je vous laisse vous exprimer l'un et l'autre. Monsieur Guéquier, pour commencer, si vous le voulez bien, pour nous faire part, à titre introductif, de ce quoi nous allons parler. Bonjour à tous, Maxime Guéquier. Donc, j'aimerais que vous vous remémoriez ce matin. Je suis sûr que vous avez marché vers l'eau. Que vous soyez allé vous faire un café, aller aux toilettes ou aller prendre une douche, vous avez marché vers l'eau. Et donc, du coup, sachez qu'à travers la planète, bon nombre de personnes n'ont pas cette chance-là que nous avons de tourner un robinet et d'avoir de l'eau qui coule, potable, de qualité, saine et agréable à boire. Ce qui nous paraît évident et être un acquis, en réalité, n'est pas du tout le cas pour une grande partie de la population dans le monde. Tout à fait, ouais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, bien sûr. C'est pas le moment, mais toujours est-il que c'est énormément de personnes sur notre planète. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a 200 collectivités ou EPCI qui s'impliquent sur l'eau, pour l'accès à l'eau à travers le monde ou à l'accès à l'assainissement. Ça représente à peu près 10% des collectivités qui utilisent ces outils pour pouvoir vraiment mettre de l'accès à l'eau pour tous. Et donc, du coup, s'engager pour l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et on a aujourd'hui un public de professionnels de l'eau. Donc, du coup, ils connaissent les directeurs, les élus qui s'occupent de ces sujets. Et donc, du coup, vraiment les contacter, je pense que c'est important, car des outils existent. Il y a le 1% pour l'eau qui existe depuis 16 ans, pardon, qui est utile pour pouvoir mener des opérations de coopération internationale sur ces sujets. Ensuite, il y a d'autres outils, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le moment dans ce propos introductif. Ce 1% pour l'eau, c'est 1% de la facture d'eau de tous les Français qui pourrait être dédiée pour l'accès à l'eau dans le monde. C'est énorme. Ça représente même pas 1 euro par habitant sur l'année, sur l'année. Et donc, du coup, c'est... Sachant que la valeur que ça peut avoir pour nous ici, c'est encore bien plus important sur les terrains qui vous intéressent. Tout à fait, ouais. C'est un outil qui existe et qui est vraiment magique, je trouve. Ensuite, il y a, depuis 15 ans, il y a des réseaux qui se sont constitués. Et donc, aujourd'hui, je vous parle en tant que vice-président de SoCoopération. SoCoopération est un réseau multi-acteurs, mais ça va être développé tout à l'heure par Marion. Donc, du coup, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ensuite, il y a un autre réseau qui existe, c'est PSO, pour le programme Solidarité Eau, dont je suis signataire de la charte des élus de l'eau. Je vous invite à taper « charte des élus de l'eau » sur le site de PSO. Vous allez voir, elle est vraiment... Super bien faite et je vous invite, vous, en tant qu'élu, de la signer également. PSO est un réseau qui est national et qui est plus axé sur la technique. Ils vont vous apprendre que mettre de l'eau dans un endroit, il faut à tout prix prendre en compte l'assainissement parce que sinon, c'est générer de nouveaux problèmes. Ensuite, il y a les 10% des collectivités qui s'impliquent aujourd'hui, et donc qui sont présentes avec nous sur cette table. Il y a au 47, il y a au 17 qui est en ligne, il y a l'agence de l'eau à Dour-Garonne et Loire-Bretagne qui s'impliquent également sur notre territoire néo-aquitien. La région Nouvelle-Aquitaine également s'implique. Et donc, du coup, vous allez pouvoir voir lors de cette conférence comment des collectivités ont pu s'engager et quel retour ça peut avoir. Fais un petit bref aperçu de ce que ça peut donner notre élu en charge de la coopération internationale, Céline Papin, à la ville de Bordeaux et à la métropole. S'est rendue au Cameroun et a participé à l'inauguration d'un puits. Et elle a vu cette flamme qu'ont les personnes qui ont l'eau près de chez eux. Et vraiment, j'ai eu l'occasion dans ma précédente vie de pouvoir voir cette flamme près de ces gens. Et c'est vraiment super important de s'impliquer. Et je dirais que le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, s'engage aux côtés de Céline Papin et de tous les autres élus
Sur les objectifs du développement durable, il y en a 17. Le 6, c'est l'accès à l'eau et l'assainissement. Et du coup, ça me paraît super important. Mais vous allez me dire, en tant qu'élu, c'est envoyer de l'argent loin et du coup, j'ai peu de retours en local. Pour autant, il existe l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. Et c'est des actions qui peuvent être menées auprès d'un jeune public, du grand public, sur cette solidarité liée à l'eau. Et donc, du coup, je vous invite vraiment, si vous êtes citoyen, de contacter les élus pour savoir ce qu'ils font, parce que ça se trouve, il y a déjà des choses qui se font. Mm-hmm. Mais je répète, il y a 10% qui s'impliquent aujourd'hui, donc on peut essayer d'augmenter. Et si vous êtes élu, contactez PSO ou Socoopération ou les intervenants pour voir comment ils s'y sont pris pour pouvoir également faire la même chose. Je vous remercie. Merci à vous, Maxime Guéquer. Vous restez avec nous, bien sûr, tout au long de cette conférence et vous pourrez réintervenir quand vous le souhaiterez. Marion Luriche, si j'ai bien compris, c'est vous qui prenez la suite pour continuer cette séquence introductive et nous en dire un petit peu plus concernant les missions de Socoopération. Oui, merci beaucoup. Donc, Socoopération est le réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. On appelle ce réseau aussi un RRMA, comme il y en a dans quasiment toutes les régions de France. Donc, c'est un réseau qui rassemble, qui est multi-acteurs, puisqu'il rassemble à la fois collectivités, associations, acteurs économiques, organismes de formation et universités engagés dans le champ de la coopération et de la solidarité internationale. Donc, c'est un champ très vaste. On peut agir autant dans l'éducation, l'agriculture, que pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, qui est tout de même un axe majeur de la coopération et de la solidarité internationale, et qui touche également tous les champs, puisque quand on travaille pour l'accès à l'éducation, il y a toujours un champ d'accès à l'eau et à l'assainissement également. Donc le réseau Socoopération propose aux acteurs néo-aquitains tout un champ de services et à la disposition des acteurs. Mais notre mission première, c'est d'abord d'identifier qui fait quoi en région et également d'animer ce réseau d'acteurs pour essayer de créer des synergies autour de ces thématiques auprès des acteurs. Donc, on est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la région Nouvelle-Aquitaine. Mais on travaille également beaucoup sur le champ de l'eau et de l'assainissement. Donc pour ça, on est en partenariat avec les agences de l'eau Adourgadronne et Loire-Bretagne, donc qui sont les deux agences de la région Nouvelle-Aquitaine. Et on mène des actions du coup en articulation avec le programme Solidarité Eau, dont vous parlera plus particulièrement Irvina dans un instant. On a monté en 2019 un groupe thématique, le groupe thématique Eau et assainissement en Nouvelle-Aquitaine, qui permet d'être un espace de rencontre entre tous ces acteurs engagés en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça se matérialise par des rencontres, mais on propose également des formations et des accompagnements dont va vous parler Irvina tout de suite. Merci Marion. Irvina vous écoute. Merci. Le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Par contre, si vous le voulez bien, je vais vous demander de parler bien en face, comme ça, pour qu'on puisse vous entendre. Je pense surtout à ceux qui nous écoutent à distance et qui apprécieront de vous entendre clairement et distinctement. En effet, merci. Alors moi, je suis Irvina Parel. Je suis animatrice de l'antenne du Sud-Ouest pour le programme Solidarité Eau. Donc le programme Solidarité Eau, qu'est-ce que c'est? Donc pour préciser un peu tout ça, nous on a un réseau multi-acteurs, tout comme Socoopération, mais on est un réseau national pour l'eau et l'assainissement, donc on est spécifique sur cette thématique, et donc à visée internationale, puisque effectivement, comme vous en parliez tout à l'heure, nous avons des présences au travers de plateformes et de réseaux qu'on appuie dans les pays de la coopération française. On a été créé il y a une quarantaine d'années à l'initiative de Stéphane Hessel pendant la décennie sur l'eau, parce que le constat, c'était que y a une grande majeure partie des acteurs de coopération qui sont investis sur les champs de la coopération, mais dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et que la qualité des projets devait être fortement améliorée. Donc on a été créé pour accompagner ces acteurs. Donc on est là pour
voilà, donner de l'appui conseil, des formations et des accompagnements auprès des collectivités, des associations, donc des ONG, mais également d'autres acteurs qui peuvent être des entreprises ou autres qui souhaitent s'investir sur ces champs. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'on a un partenariat avec Socoopération en Nouvelle-Aquitaine, puisque comme ils sont le réseau régional, ça nous permet d'avoir une présence et de décliner des événements et des activités communes. Pour cela, nous avons un partenariat donc, avec les agences de Loire-Bretagne et Adour-Garonne qui nous appuient pour des formations, des appuis conseils et des événements tels que celui que nous organisons aujourd'hui. Mm-hmm. Et juste pour compléter... Mais je vous en prie, je vous en prie. On organise dans le cadre de Cyclo, donc on a été contacté par Cyclo pour s'occuper du champ de la coopération et de la solidarité. Et donc aujourd'hui, il y a cette thématique qui est abordée. Et vendredi, à 11h30, donc en fin de matinée, on organise également une conférence qui parlera plus de l'implication des entreprises en fait, sur ces champs, donc pour l'eau et l'assainissement. Donc voilà, restez connectés. Bah, c'est une affaire commune et collective. Il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi d'autres acteurs dont les entreprises font partie. Oui. Merci beaucoup Irvina Parel. Merci Marion Lerich et Maxime Guéquer pour ces propos introductifs. Je vais vous proposer d'enchaîner, puisque ça nous permettra de faire connaissance avec nos prochains invités qui vont s'exprimer devant nous. Et à l'issue de ces présentations, enfin en tout cas des interventions des uns et des autres que je me permettrai d'animer, je me permettrai de vous interroger sur justement vos actions, vos missions, vos retours d'expérience. Je proposerai un temps d'échange peut-être si nécessaire ou si certains de nos participants souhaitent vous interpeller directement. Alors, dans le cadre de cette table ronde, comme je vous le disais tout à l'heure, on va évoquer les dispositifs financiers, les modalités d'action au service des collectivités territoriales. Ça peut intéresser un certain nombre d'entre eux. Et pour en témoigner, nous avons en visio avec nous, à distance, Denis Minot, qui est directeur général de O17. Monsieur Minot, je ne sais pas si vous nous entendez. En tout cas, oui, très bien. Bonjour. C'est parfait. Bonjour. Je pense qu'on vous verra à l'écran dans un instant. Sylvain Davila, êtes-vous parmi nous, Sylvain Davila? Oui, je suis là. Vous êtes là également, c'est parfait. Vous êtes chargé de mission à la délégation Coopération Europe Internationale pour la région Nouvelle-Aquitaine. Vous en direz un peu plus tout à l'heure également. Et enfin, Valérie Baïche, qui est déléguée aux relations extérieures à la coopération et à la coopération internationale pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Madame Baïche, êtes-vous bien avec nous ? Oui, bonjour. C'est parfait, on vous entend également. Merci d'avoir bien voulu être présent, même à distance, compte tenu des circonstances que nous connaissons toutes. Toutes et tous, mais comme vous le savez, M. Pénidon interviendra également, lui que j'ai présenté tout à l'heure, qui est en présentiel dans cette table ronde, mais vous interviendrez tous en temps utile. Je voulais vous demander dans un premier temps, alors je ne sais pas qui voudra commencer, Madame Baïche, si vous voulez, pour vous céder le premier mot de ce tour de table, pour savoir comment est née la volonté, par exemple, de l'agence de s'engager à l'international. Qu'est-ce qui peut motiver un partenaire comme l'agence, ça peut vous paraître surprenant de commencer par l'agence en tant que partenaire par rapport aux autres acteurs, mais en tout cas, on sait que vous êtes fortement impliqué et la question se pose, puisque l'agence est fortement représentée dans Cyclo, comme vous le savez, on a entendu M. Choisy à plusieurs reprises ce matin. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces sujets ? Alors, l'international, c'est d'abord une histoire dans les agences de l'eau. Les agences de l'eau, elles ont un peu plus de 50 ans aujourd'hui. Et dès l'origine, l'international, ça a été un terrain d'échange, c'est-à-dire que les agences de l'eau ont organisé tout un ensemble de compétences en leur sein sur l'eau et sur l'assainissement. Et très, très vite, des échanges se sont noués avec des pays européens, d'abord, parce qu'on était encore dans une phase de la construction européenne où les choses n'étaient pas complètement partagées. Et puis, dans des zones beaucoup plus larges, on est venu chercher dans les agences de l'eau de l'expertise et de la compétence sur de l'accès à l'eau potable, sur des techniques d'assainissement. Donc l'international, ça a commencé comme ça. Le vrai virage, celui qui a vraiment institutionnalisé les choses, c'est la loi Houdin, dont a parlé M. Guéquer tout à l'heure, en 2005. La loi Houdin-Santini, donc votée à l'unanimité au Parlement, portée à la fois par un député et un sénateur, qui venait effectivement créer un dispositif juridique qui permettait non seulement aux collectivités
qui effectivement voulaient développer leur action extérieure et leur action de solidarité en matière d'eau et d'assainissement, mais également aux agences de l'eau, de leur donner les outils qui allaient leur permettre de créer une politique, créer une stratégie et créer les outils financiers et techniques qui allaient bien. Donc avec la loi Audin, les agences de l'eau se sont dotées d'une ligne budgétaire dédiée sur l'international. C'est devenu une action à part entière de leur programme d'intervention. Et du coup, elles pouvaient sortir un peu de leur schéma, de leur ADN. Une agence de l'eau, c'est un établissement public qui distribue des aides financières à partir de redevances perçues sur son bassin. Donc, c'est des redevances du bassin qui viennent financer des opérations liées à l'eau et à l'assainissement sur son bassin. Avec la loi Audin, s'ouvrait une porte à l'international. Donc, s'ouvrait la possibilité pour l'agence de l'eau de susciter des partenariats à l'échelle de son bassin, parce que l'intérêt, il est aussi là. C'est susciter des partenariats entre le monde associatif, entre des collectivités territoriales volontaires, pour engager et mettre à disposition non seulement ses financements, mais aussi son expertise et sa connaissance technique pour des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement à l'international. Donc, il y a à la fois une explication historique. Les agences ont toujours fait plus ou moins de l'international, mais on est passé de l'échange d'experts, du conseil et de la mission d'échange à un dispositif extrêmement cadré, institutionnalisé, avec des budgets dédiés, des partenariats sur les bassins hydrographiques, sur nos territoires d'intervention, qui permettent de monter des projets et du coup de porter à la fois une volonté politique de faire de la solidarité à l'international, des financements mis à disposition, disponibles, organisés, et de la compétence technique, de la volonté d'échange, à la fois politique, technique et professionnelle, entre des collectivités du bassin, des collectivités du Nord et des collectivités partenaires ou des acteurs associatifs partenaires dans les pays bénéficiaires. Et tout ça, ça a créé l'action internationale des agences de l'eau. Merci beaucoup Valérie Baïche d'avoir bien voulu en quelque sorte planter le décor justement de toutes ces actions, de toutes ces initiatives. Et ça nous a permis de, je pense, avec cette première intervention de votre part, de bien situer le cadre, le contexte législatif dans lequel s'inscrivent toutes ces initiatives. Alors, Monsieur Minot, je vais vous proposer de continuer, ou plutôt de commencer par un premier retour d'expérience. Vous représentez donc O17, dont vous êtes directeur général, qui est un établissement public qui organise le service de l'eau et de l'assainissement pour 450 000 habitants répartis dans plus de 400 communes en Charente-Maritime. Voilà pour les présentations, mais je vous laisse évidemment rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse et nous dire en quoi vous êtes impliqué dans ce sujet de développement et de la coopération internationale. Ben, écoutez, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant qu'on suit une action de coopération décentralisée en République de Guinée. En fin de compte, la Charente-Maritime a tissé un partenariat avec ce pays et notamment la préfecture de Bofa qui se situe à 150 km au nord de Conakry. C'est un peu l'équivalent d'un département français, un département littoral. Donc on se retrouvait sur un peu des convergences entre la Charente-Maritime et cette préfecture de Bofa. Un pays qui était où il y avait très peu de coopération, soit de collectivités, soit d'associations. Donc ça fait 25 ans que le département collabore avec la Guinée par le biais d'une association qui s'appelle Charente Maritime Coopération et qui a l'avantage de disposer d'une base technique sur place avec des volontaires et des techniciens guinéens. Moi j'ai été sollicité pour la première fois en 2006 pour faire une mission d'expertise sur l'hydraulique villageoise qui correspondait à une demande des élus locaux de la ville-centre, la ville de Bofa. Alors, c'est une petite ville, hein, il y a à peu près 25 000 habitants. Les communes guinéennes sont grandes, hein, plutôt de la taille d'un canton français, donc on avait un peu de zones urbanisées et des zones rurales. Et donc, j'ai commencé par une expertise sur l'hydraulique villageoise. Il y avait, dans le cadre du plan de développement communal, l'accès à l'eau était apparu comme la première préoccupation des habitants, c'est légitime, dans un pays avec une situation sanitaire très, 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 très dégradée. J'arrive pas, Émilie, à accéder à mes diapos, mais si on peut passer une première diapo pour illustrer, ça sera parfait. On va vous accompagner tout de suite. C'est parti. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, mais cette première diapo illustre ce qu'était l'accès, ce qu'est encore dans beaucoup de régions l'accès à l'eau en Guinée. Hein, vous voyez des gens, notamment beaucoup de petites filles, qui vont chercher de l'eau sur un point d'eau. Donc, en amont du muret, c'est de l'eau qui est consommable.
Et en aval du muret, c'est de l'eau qui sert à la lessive. Et en arrière-plan, vous voyez même une personne qui est en train de se laver les dents dans l'eau du marigot. Donc ça, c'est un usage fréquent. Moi, quand j'y suis, ma première mission, ben, c'était d'améliorer un peu ces accès à l'eau. Il y avait sur la commune de Boffa 45 forages, dont 43 en panne. Et donc, les gens étaient obligés de s'alimenter par des cours d'eau, tels qu'on le voit sur cette diapositive. J'ai voyagé dans des zones qui étaient en quarantaine, à cause du choléra. Donc, c'était une situation très, 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 Ouais. très dégradée d'un point Toutes de les vue, conséquences qu'on sanitaire. peut imaginer Il sur le plan était sanitaire, oui. nécessaire d'agir assez rapidement. Alors, je ne sais pas si je continue ou si je développe ou si on y reviendra un peu plus. Bah, Mais allez-y. on a monté, donc à partir de là, on a monté avec les élus locaux. Alors, ce qui était important, c'est que ça résultait d'une demande locale d'élus locaux. Là, le conseil communal de Boffa souhaitait qu'on développe l'hydraulique villageoise. Donc, traditionnellement ou classiquement, je suis allé sur place faire une mission d'expertise. Et puis, à partir de là, on a monté un programme. Alors, évidemment, c'était un programme technique de réhabilitation de, pas de forage, jamais de pompe à motricité humaine. Des pompes Vernier, et puis aussi de création d'un service public de l'eau, même si c'était des pompes à motricité humaine. C'était quand même intéressant de construire un projet durable. Et ça a été la condition que j'avais posée aux élus, aux élus locaux guinéens qui l'ont accepté, c'est-à-dire, je ne viens pas, on pouvait apporter de l'argent au titre de la loi d'un centini, mais je ne viens pas uniquement réparer des forages. Je veux bien venir réparer des forages à condition qu'on crée un service public de l'eau. Avec un paiement de l'eau compensé par un accès à l'eau et l'organisation d'un service sur lequel on reviendra. Oui. Donc, sur la diapo suivante, on voit un petit peu l'évolution du projet en 15 ans. Oui. J'avais à l'époque, en 2017, 45 forages diagnostiqués et 2 fonctionnels. Et puis après, il y a eu, on a commencé par des projets, on va dire, modestes, des programmes triennaux qui nous ont permis de réparer un certain nombre de forages. On a récupéré les 45 forages en gestion par une agence communale de l'eau sur la commune urbaine de Boffa avec Et un budget annexe. les avez remis en état, si on comprend bien. On les a remis en état et on a créé un service de l'eau. Et ensuite, on a développé les projets et ensuite, on a eu des phases d'interruption des troubles politiques. Puis après, surtout, on a eu la première crise Ebola en Guinée qui avait fait plusieurs milliers de morts. Et à la suite de cette crise Ebola, l'UNICEF a souhaité accompagner les pays touchés par Ebola sur des actions sanitaires fortes post-Ebola. Et ce qui était intéressant, c'est que l'UNICEF nous a proposé d'être en fait une maîtrise d'ouvrage déléguée sur la mise en place d'un accès à l'eau, ce qui était qui était pas banal. Et parallèlement, on avait construit un premier programme en partenariat avec donc le département de la Charente-Maritime, un peu au 17, et aussi l'agence de l'eau à Dour-Garonne, tel que ça a été présenté tout à l'heure. Merci, Donc on Monsieur s'est Mignot. retrouvé avec un budget de l'ordre de 700 000 dollars de la part de l'UNICEF, donc on changeait d'échelle. Et donc ce qui fait qu'en 2018, on se retrouve avec 180 points d'eau, tous fonctionnels, avec un service de l'eau qui est opérationnel et c'est pour nous une belle réussite inscrite dans la durée. Merci beaucoup, Monsieur Mignot. Vous avez un petit peu anticipé, et c'est très bien comme ça, sur la description de votre projet. Mais effectivement, la question transversale que je voulais vous poser aux uns et aux autres pour faire connaissance avec vos projets respectifs, c'est ce qui vous avait motivé au départ. Comme disait Monsieur Guéquer tout à l'heure, vous avez été frappé par la lumière ou la flamme dans les yeux de ceux à qui vous êtes venu en aide. Ici, on entend bien la motivation de Monsieur Mignot et de ce projet. La première photo était parlante, hein, elle suffisait à elle-même à expliquer la motivation au départ. Monsieur Pémidon, même question à votre intention. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ et qu'est-ce qui vous a emmené, vous aussi, sur le terrain? Avant de démarrer sur O47, je voudrais souligner la passion dont fait preuve Denis Minot à travers ses On l'a projets. senti, hein, ouais. Et on sent que quand on travaille sur ces sujets, on est vraiment à fond parce qu'on est convaincu de ce qu'on peut apporter à ces pays, à ces collectivités, à ces peuples. Parce que nous, on a la chance d'avoir de l'eau, on a le savoir-faire. Et très vite, quand on travaille sur les sujets, on s'aperçoit qu'on a vraiment beaucoup de chance, notamment en Aquitaine où jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'eau. Pour le Lot-et-Garonne, l'aventure est ancienne déjà, c'est une vieille histoire, ça a plus de 30 ans. C'est venu du fait qu'à l'origine, dans le département, il y avait une quinzaine de syndicats, des gros syndicats, pilotés par
bien sûr, des élus qui, pour certains, étaient engagés dans des opérations humanitaires à travers des associations. Alors, pour certains, c'était sur l'Asie, le Vietnam. Pour d'autres, c'était l'Afrique avec le Mali, le Niger. Et bien évidemment, il fallait trouver des sous. Donc, en qualité de président de syndicat, les uns et les autres avaient pensé qu'effectivement, les Lot-et-Garonnais, à travers leur consommation d'eau, pourraient contribuer à alimenter un fonds qui permettrait d'aider ces associations, alors celles-là et puis les autres qui sont venues derrière, pour développer et soutenir ces projets. À l'époque, on s'intéressait, je pense, seulement à la réalisation d'équipements. On n'allait pas au-delà. C'était déjà énorme de creuser un puits, de créer un réservoir et d'amener parfois des bornes-fontaines près des villages. C'était dans les années 90. Et puis, le temps a passé, il a fallu se structurer un peu parce que les méthodes de l'époque, les us et coutumes, étaient peut-être un peu discutables. On est sur de l'argent public. Et donc, petit à petit, on a créé une commission solidarité avec des projets présentés par des porteurs de projets, avec une commission qui attribuait des subventions sur la base d'un règlement intérieur. Ça s'est fait progressivement, mais toujours un peu hors la loi, puisqu'on n'était pas dans le dispositif Houdin Santini encore. On est rentré dans le dispositif en 2013, avec effectivement, comme l'a souligné l'Agence de l'eau tout à l'heure, un budget annexe totalement identifié, les entrées, les sorties, que devient l'argent. Et donc, ça a permis de structurer un peu ce fonds, l'usage de ce fonds, avec une commission qui est devenue de plus en plus solide et motivée. Et donc, ça a permis, alors je ne vais pas toutes les citer parce que contrairement à ce qu'a évoqué Denis Minot, on n'a jamais accompagné une collectivité au fil des années. On a plutôt tous les ans aidé des associations qui développaient des projets et qui développent encore des projets, mais dans pratiquement tous les pays du monde. Donc ça, c'est vrai pour l'Asie, c'est vrai pour l'Amérique du Sud, c'est vrai pour l'Afrique. Donc on pourrait citer Madagascar, le Cambodge, le Vietnam. On a travaillé en Inde aussi, en Colombie, je ne sais pas si je l'ai dit. Et puis beaucoup le Mali, le Niger, le Bénin et beaucoup Madagascar aussi. Donc on n'a pas fait ce souhait d'accompagner qu'une seule collectivité, mais plutôt d'accompagner divers projets et de travailler sur tous les pays qui le nécessitent. Mais dans la mesure où les projets ciblés sur l'eau ou l'assainissement, on ne sort pas de ces deux domaines, rentrent dans les programmes que l'on souhaite accompagner, à savoir pas seulement de la réalisation d'équipements, mais aussi la gestion de l'équipement, l'apprentissage de la gestion de l'équipement, et alors, comme l'a dit Denis tout à l'heure, si possible, la mise en place d'un service avec peut-être une facture d'eau qui permet d'alimenter un service pour assurer l'entretien. Ça, c'est l'étape suivante. C'est l'étape prévue. On commence à affranchir les gens qui gèrent le service de subventions extérieures, dans la mesure où ils arrivent à se créer suffisamment de recettes pour garantir l'entretien des équipements. Merci Gérard Pénidon pour cette première présentation de vos projets, parce qu'ils sont divers, on l'a bien compris. Ils sont anciens aussi pour certains. Je parlais de recul dont vous disposiez aujourd'hui et d'où l'intérêt de votre présence aujourd'hui. Je reviens vers vous, Monsieur Minot, dans un instant, mais je vais évidemment demander à Monsieur Davila aussi quelles sont les motivations au départ d'une région comme la région Nouvelle-Aquitaine pour s'inscrire dans ce type de projet. Madame Baïche nous expliquait tout à l'heure la place de l'État et le cadre législatif dans lequel pouvaient s'inscrire ces initiatives, mais qu'est-ce qui motive une région comme la Nouvelle-Aquitaine pour accompagner ces acteurs ? Alors oui, la région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, a aujourd'hui une très grosse politique d'action extérieure, en premier lieu orientée sur l'Europe, parce qu'elle travaille avec ses régions partenaires transfrontalières, avec l'Espagne et le Pays Basque, où il y a des actions de coopération quasiment naturelles. Mais aussi, la Nouvelle-Aquitaine travaille à l'international beaucoup dans une dimension premièrement économique, parce qu'un gros ensemble comme la Nouvelle-Aquitaine se doit d'être positionné sur la scène internationale, mais aussi, humanitaire. La région s'engage à essayer de consacrer 0,7% de son budget à des actions de développement. Donc, elle le fait avec ses moyens, son histoire, ses compétences. Aujourd'hui, on a beaucoup de partenariats à travers le monde, notamment avec l'Afrique, qui s'orientent sur des actions de développement
de manière très très large. L'eau et l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau, c'est un pilier du développement, et la région Nouvelle-Aquitaine travaille sur plusieurs piliers. L'histoire de la coopération avec le Burkina Faso et la région du plateau central, c'est aussi une très vieille histoire qui a débuté par des actions spontanées d'acteurs de la société civile de l'ex-Limousin, des associations agricoles, culturelles, qui ont focalisé des actions humanitaires sur cette région du Burkina Faso. Et ces associations ont développé tellement d'actions fortes, tellement d'actions humaines que les élus du Limousin, de l'ex-Limousin à l'époque, en 97-98, se sont emparés de ces actions civiles pour mieux les coordonner et surtout intensifier leurs efforts. Et la région ex-Limousin s'est engagée pour faire en sorte que les collectivités territoriales burkinabées trouvent leur place dans les politiques de développement. En gros, la région Nouvelle-Aquitaine considère qu'il n'y a pas de développement sans une décentralisation forte, efficace et sans collectivités territoriales de niveau communaux, régionaux, qui soient fortes et qui soient capables de développer des projets. Donc l'action internationale de la région aujourd'hui, elle vise avant tout à positionner des collectivités territoriales dans leur environnement institutionnel et de favoriser la décentralisation et de faire des élus locaux des vrais acteurs du développement. Et on a basculé sur l'eau progressivement parce que nos partenaires burkinabés ont inscrit l'accès à l'eau, à l'assainissement et la gestion intégrée de ressources en eau comme un outil, une thématique centrale du développement. Nos partenaires nous ont expliqué, et on l'a très vite compris, que sans eau, il n'y a pas de développement. Sans assainissement, on fait difficilement de l'hygiène, on lutte difficilement contre le Covid, notamment. L'actualité 2020 nous l'a montré avec beaucoup de force. Et au final, l'eau est une ressource extrêmement précieuse dans un territoire comme le plateau central qui vit un vrai stress hydrique. Donc on s'est engagé sur cette thématique-là et avec de plus en plus de puissance technique et financière au gré des évolutions législatives et, il faut le dire, il faut l'avouer, du fait de la montée en puissance du 1% eau et de l'accompagnement très très fort des agences de l'eau à Dour-Garonne et Loire-Bretagne. Je m'arrête là peut-être. Oui, oui, merci Monsieur Davila. On en sait déjà aussi beaucoup plus à ce stade maintenant sur vos projets respectifs. Et je vous remercie pour ces descriptions au passage. Monsieur Minot, comme promis, je reviens vers vous et je poserai la même question à d'autres acteurs qui, si vous souhaitez réagir ou donner votre propre retour d'expérience. Mais certaines des collectivités ou les représentants de collectivités qui nous regardent doivent se poser la question de savoir comment on commence un projet comme ça. Par quoi ça commence? Comment est-ce qu'on prend contact? Comment est-ce qu'on a connaissance des besoins? Comment, pour ce qui vous concerne, avez-vous contacté et engagé les premiers échanges avec les partenaires du pays dans lequel vous intervenez? Comme j'expliquais, on a la chance d'avoir déjà une base locale en Guinée qui intervient dans différents domaines de façon très variée, des équipements scolaires, du sel solaire, des formations d'élus. Donc il y a déjà une base sur place. C'est ça. Donc moi, je suis intervenu par ce biais-là. Ce qui est important, je pense, c'est que, trouver des projets ou trouver des associations à soutenir, je pense que c'est pas difficile. On est même très régulièrement sollicité. Après, lorsqu'on est
en action de coopération décentralisée pure et dure, c'est-à-dire d'une collectivité française vers une collectivité locale, par exemple telle qu'on le fait en Guinée, ben ça demande des échanges, du temps de travail, du temps de compréhension. Moi, j'ai lu le code des collectivités guinéennes pour comprendre ce qu'étaient les lois de décentralisation en Guinée, parce que c'est à nous de nous, enfin, c'est pas à nous d'arriver à plaquer un modèle tout fait en disant voilà comment ça marche et ça va filer droit. C'est pas exactement comme ça. On peut avoir des références de long terme et des objectifs de long terme sur ce qu'est la durabilité d'un projet, mais on doit aussi s'adapter à des élus locaux, comme moi en tant que directeur, je le fais avec mes élus locaux en Charente-Maritime, eh bien on doit s'adapter aussi aux desiderata et aux orientations souhaitées par les élus locaux du pays ou de la région qu'on veut soutenir. Et savoir vous inscrire dans les contraintes locales diverses et variées. Gérard Pénidon, même question. Pour les différents pays ou les différents milieux, les différents terrains sur lesquels vous êtes intervenu, est-ce qu'il y a plusieurs façons d'entrer en contact, d'identifier les besoins ? Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec les associations ou pour elles, entrer en contact avec nous. Alors, je dirais la première, c'est le bouche à oreille. On est dans des départements où les gens se parlent. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui permettent effectivement d'échanger. Et donc, très souvent, les associations nous viennent par l'intermédiaire des différents élus qui siègent dans le syndicat. 300 élus, donc ça fait quand même un rayonnement départemental assez important. Ensuite, on a nos partenaires qui peuvent être, bien sûr, l'agence de l'eau ou les entreprises qui développent des projets de coopération. Et donc, ça nous amène effectivement à rentrer en contact avec les associations. Alors, il y a une voie qu'on n'a pas encore travaillée, mais pour laquelle il faut qu'on prenne les choses un peu plus sérieusement, c'est l'appel à projet. Donc là, peut-être que Marion ou Irvina pourront le développer plus que moi, parce que là, j'avoue que je n'ai pas trop l'expérience pour l'instant. C'est qu'effectivement, on peut faire savoir sur tous les systèmes de communication, tous les médias, la possibilité pour les différentes associations, les porteurs de projets, de venir se rapprocher des services du syndicat pour envisager une coopération, alors pas seulement financière, aussi intellectuelle, technique, de façon à les épauler sur ces projets. Et alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quelque chose qui nous paraît très évident, c'est que finalement, les collectivités, on n'est pas seulement porteur de financement, mais on est aussi un levier pour déclencher le financement de l'Agence de l'eau. Puisque l'Agence de l'eau, dans ses règlements, prévoit une intervention potentielle, mais en contrepartie d'un autre financement de collectivité ou autre. Et là, je pense que c'est assez important que nous, on porte ce message auprès des associations. C'est ce que l'on fait, de façon à démultiplier notre aide, parce que finalement, on n'a pas les mêmes puissances financières que l'agence. Mmh. Et c'est à travers ce levier que le projet financier des associations peut prendre forme. Donc, les moyens de contact, alors je n'ai pas cité le site internet de la collectivité, mais bien évidemment, sur le site, il y a des pages dédiées à la coopération. Et là, il y a effectivement tout le mode opératoire pour venir nous rencontrer et nous présenter le projet. Merci Gérard Pénidon. Madame Vaïche, Valérie Vaïche, je me retourne vers vous de nouveau pour vous demander si les agences ont un rôle particulier ou peuvent avoir un rôle particulier dans la mise en relation entre les bonnes volontés d'un côté et les besoins de l'autre. Oui, on peut effectivement faire ce lien, mais c'est vrai que généralement, dans tous les projets qui nous sont proposés, il y a une histoire derrière. Il y a soit des jumelages, soit une vie associative qui explique que des liens aient été créés avec tel ou tel territoire. C'est ça. Comme le disait M. Minot, ce n'est pas tout à fait par hasard. Il y a souvent des relations anciennes. Les projets ne tombent pas comme ça du ciel. Il y a toujours derrière une histoire, un vécu. Alors, ça peut être des histoires personnelles, d'élu à élu, qui ont fait la même formation, qui se sont retrouvés dans telle ou telle instance. Donc, il y a des liens. Soit ils sont personnels, soit ils sont... tout à l'heure, j'ai entendu le mot société civile. C'est, voilà, par le biais associatif, il y a toujours derrière quelque chose. Ce qui explique d'ailleurs la diversité des pays dans lesquels se déroulent ces actions de solidarité internationale. C'est qu'il est extrêmement compliqué de guider l'action extérieure des collectivités territoriales. Moi, agence de l'eau, je ne peux pas décider, par exemple, que les projets de développement international et de solidarité internationale que je veux voir se développer, ils sont dans tel pays. Non, parce que je dépends beaucoup du désir des autres et je dépends de l'histoire des autres. Donc, il y a des historiques, il y a des liens, il y a des choses qui expliquent qu'à un moment ou à un autre, le projet de l'eau vienne sur la table, parce que comme ça a été dit, c'est quand même, à partir du moment où on parle d'agriculture, on tombe sur l'eau. À partir du moment où on parle de genre et de scolarisation,
on tombe sur les problématiques d'accès à l'eau. Quand on parle d'urbanisation, quand on parle d'organisation, très très vite on tombe sur les sujets de l'eau. Donc finalement, la problématique d'eau et d'assainissement, elle arrive très très vite quand on est dans de la relation comme ça bilatérale entre collectivités au sud et collectivités du bassin. Donc le sujet de l'eau arrive, il y a une histoire derrière, et puis il y a effectivement du coup cette diversité de projets possibles. Il y a des petits projets, il y a des grands projets, comme ça a été dit, il y a des projets qui s'appuient sur des présences sur place. Il y a des collectivités, effectivement, qui envoient des volontaires, il y a des collectivités qui s'appuient sur des relais locaux, il y a des collectivités voilà, qui fonctionnent plutôt de manière groupée, des collectivités qui mènent le sujet toutes seules. Tous les formats existent, tous les périmètres existent, et à chaque fois, c'est une histoire particulière. Un projet de développement, d'aide publique au développement, d'aide au développement, à chaque fois, c'est une histoire particulière. Merci Valérie Baïche pour ces informations complémentaires sur la manière de s'y prendre pour commencer, pour initier un projet. Alors, monsieur Minot, je reviens vers vous de nouveau, si vous le voulez bien, avant de vous interroger ultérieurement les uns et les autres sur ce qui a pu constituer des freins, par exemple, dans vos actions. Et puis, à contrario, nous verrons également quels ont été les leviers qui les ont facilités. Mais monsieur Minot, j'ai cru voir dans votre diaporama tout à l'heure que vous aviez d'autres illustrations. Alors, pour terminer sur un cas concret, puisque vous avez prévu quelques photos à notre intention, me semble-t-il, je vous laisse peut-être revenir sur votre diaporama pour nous en faire quelques commentaires. Évidemment, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Je vous laisse synthétiser ce type de projet qui illustre tout à fait bien, parfaitement bien, les sujets qui nous intéressent dans cette table ronde. Oui, si vous voulez, je peux revenir très très vite. Hein. Je pars. Voilà, c'est le plaisir de partager des photos avec vous. Voilà, nous transporter un peu sur le terrain. Ce qui est important, moi, j'avais, je sais pas si Émilie là, une diapo 3 sur le transfert de compétences. On est dessus. Ce qui me paraît le très important aujourd'hui, c'est ce qui fait que ce projet a pu surmonter un certain nombre de difficultés inhérentes aux difficultés du pays. Ce qui est important, c'est le transfert de compétences, donc former des gens locaux pour pouvoir effectivement les rendre autonomes. Moi, aujourd'hui, il y a des techniciens guinéens qui en savent bien plus que moi sur les pompes à motricité humaine. On a fait un peu de formation hydraulique, on a fait des formations à l'hygiène, des formations sanitaires, à la conduite de projet, à la gestion de budget. Bon, petit à petit, tout ça s'est fait. C'est aussi des échanges, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des missions sur place. Et puis, il y a également on a reçu des techniciens guinéens dans nos services ici pour leur montrer. Alors, c'était pas effectivement, on n'était pas sur la même échelle, mais n'empêche que ça leur a fait beaucoup de bien de voir un petit peu, ne serait-ce que comment on manageait des équipes, comment on s'organisait, même si les usines d'eau telles qu'on peut les avoir en France n'ont rien à voir avec mes pompes à motricité humaine guinéenne, mais c'est pas grave. L'important, c'était de montrer comment on faisait de la gestion de projet et de voir aussi tous les points communs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y ait tant d'écart que ça sur la construction, en fin de compte, d'un projet. C'est ça qui me paraissait important. On a formé des artisans réparateurs de pompes, on a formé des logisticiens, et aujourd'hui, j'ai des équipes là-bas qui ont pris une pleine autonomie. Et quand j'y vais, je ne parle plus tellement de technique, parce qu'ils sont déjà totalement autonomes, ils n'ont plus trop de questions à me poser. Ouais, ouais. Je peux vous proposer de dérouler ensemble votre diaporama, si vous le voulez bien, pour qu'on... Bah, si vous voulez, j'avais, je ne sais pas si Émilie a accès à mes diapos. Oui, tout à fait. Voilà, on découvre au fur et à mesure. Ouais. Moi, je vois pas ce que vous voyez, donc je ne sais pas où vous en êtes. Ah, d'accord. Mais écoutez, là, on a une diapo sur les magasins de pièces de rechange, sur les équipes de maintenance, etc. Donc, typiquement, ça, c'est un truc dont je suis... Bon, ça illustre la formation des équipes de maintenance et la gestion de stock de pièces détachées. Donc là, vous avez un stock de pièces détachées avec... alors, on ne le voit pas, mais vous avez une traçabilité complète de l'entrée, de sortie de chaque petite pièce, même hein, le moindre joint qui rentre et qui sort de cette gestion de stock. Une gestion quasi industrielle. Ouais. Fait que on sait où est-ce que vont les pièces détachées, sur quel ouvrage elles vont. Et à partir de là, statistiquement et avec le temps,
on a pu construire un modèle de durée de vie de pièce et de calcul de provision de renouvellement pour évaluer si notre projet était durable et vivable dans le temps ou s'il fallait qu'on ait une sorte de soutien au fonctionnement plus ou moins permanent ou à quel moment on pouvait passer en sifflet une autonomie complète du service avec un budget annexe de l'eau, indépendant du reste du budget communal et auquel les élus sont très attachés. Et donc aujourd'hui, ben, on a des recettes de vente d'eau qui permettent de financer une grande partie des pièces détachées qu'on va utiliser. On prend encore en charge des frais de fonctionnement sur les salaires des personnes qui interviennent sur le terrain. Mais n'empêche qu'on est sur une pleine autonomisation. Et quand on a eu des difficultés, ben, cette autonomisation, elle nous a bien rendu service. Merci, M. Minot. Je vais vous proposer on va passer aux diapos suivantes. Hein, puis je vais vous dire ce qu'on voit. Pour peu qu'on puisse les voir. Non, on en reste là. Alors, écoutez, bien sûr, j'ai encore plein de choses à vous demander et je vais commencer avec Gérard Pénidon, si vous le voulez bien. Je ne vais pas vous faire intervenir trop longtemps l'un et l'autre sans vous poser des petites questions intermédiaires qui nous viendront au fur et à mesure. Je vous disais, Monsieur Pénidon, il y a évidemment la question des obstacles qui se posent. Quels obstacles on rencontre sur le terrain? Quels sont surtout les freins qui vous empêchent d'avancer, que ce soit, je ne sais pas, en termes de financement, de connaissances intimes, justement, du terrain, des acteurs dans les pays concernés, votre connaissance des types de projets à mettre en œuvre, etc. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de choses. On n'aura pas le temps de toutes les inventorier. Mais là, encore une fois, je fais appel à votre retour d'expérience pour nous faire part et à ceux qui nous écoutent des points de vigilance qu'il faut avoir en la matière. Alors, je vais répondre avec deux volets sur cette question. Le premier, c'est l'aide aux associations qui développent des projets sur les pays du Sud. Donc, très souvent, on se rend compte que ces associations ont beaucoup de volonté, beaucoup d'idées. Elles ont l'aptitude à réaliser les choses sur les collectivités en jeu. Par contre, elles ont très peu de savoir-faire en matière de montage de dossiers, en termes de, je veux dire, administratifs. Elles sont capables de mettre du matériel sur un camion et de traverser la moitié du monde pour amener du matériel dans le pays concerné. Par contre, elles ont du mal à aller chercher les plans de financement, elles ont du mal à montrer le montant des dépenses et autres, parce que très souvent, ces associations sont très peu organisées administrativement. Donc, ça fait partie des rôles qu'on peut nous jouer, c'est de les aider. Alors, tout à l'heure, je parlais des leviers avec les autres financeurs, mais aussi de les aider à structurer leur projet de façon à pouvoir le présenter dans les différentes instances. Ça, c'est la partie associative. Alors, l'autre réponse que je veux évoquer, c'est celle qui va toucher à l'opération de coopération décentralisée qu'on a menée à partir de 2014 et qui s'est malheureusement achevée en 2018. On avait la réflexion suivante. Bon, c'est bien, on a des sous. Nous, tous les jours, on met de l'eau partout, on met de l'assainissement partout. Et puis finalement, dans les pays du Sud, ce sont des associations qui font le travail, alors que nous, on pourrait effectivement apporter ce savoir-faire, cette connaissance. Et donc, on s'est dit, on va partir sur une opération décentralisée, coopération décentralisée, et sans a priori sur le continent, le pays, la collectivité elle-même. On a monté un projet qui s'est structuré progressivement et finalement, on a fini. Alors, je vous passe toutes les étapes de mission exploratoire, d'appel à projet, etc. Là, pour le coup, on faisait des appels à projet. Et on a fini donc sur un projet qui consistait à construire la station d'épuration d'un hôpital régional à Moniwa, au Myanmar, c'est-à-dire la Birmanie. En Birmanie. Projet fantastique, complètement adopté par tout le monde, bien sûr nos élus, l'agence de l'eau à l'époque. Et puis finalement, on s'est heurté à tous les obstacles du débutant, finalement, puisqu'on était débutant. On avait peut-être eu beaucoup trop d'ambition, parce que la Birmanie, c'était séduisant, puisque c'était une jeune démocratie. Malheureusement, les événements actuels nous montrent que les démocraties sont fragiles. Ouais. Mais c'était une jeune démocratie qui avait vécu sous 50 ans de chape de plomb, donc avec une méconnaissance totalement des technologies d'aujourd'hui. Et on avait vraiment tout pour monter ce projet. La problématique, c'est d'abord qu'on s'est appuyé sur l'MAE, qui, en pleine mission exploratoire, a annoncé qu'elle n'interviendrait plus sur les infrastructures, le financement des infrastructures. Donc déjà, ça nous coupait une grande partie de nos financements potentiels. Mais l'agence de l'eau a dit, moi, j'apporterai le complément.
Bravo. Bonne nouvelle. Parallèlement, on a compris qu'au fur et à mesure de notre action, les services de l'ambassade s'échappaient progressivement, mais pour des raisons qu'on n'a pas su comprendre. Et puis, un des principaux obstacles, c'est la barrière de la langue. Parce que quand on discute avec un Birman, on ne parle pas anglais, on ne parle pas français. Et nous, malheureusement, on ne parle pas birman. Ce qui fait que très rapidement, on s'est rendu compte qu'en dehors des missions exploratoires, où on était bien sûr accompagné de traducteurs, quand on rentrait en France, derrière un micro-ordinateur, on ne pouvait plus communiquer. C'était plus possible. Et arriver à tenir une coopération qui se veut continue, qui se veut de longue haleine, quand on n'arrive pas à communiquer, à maintenir le lien, c'est très compliqué. Mmh. Ou alors passer par des intermédiaires qui, comme on le sait dans le domaine, ces intermédiaires ne sont pas forcément toujours très pertinents dans le résultat de l'action. Donc, on s'est, à travers cette coopération décentralisée, on s'est heurté à peut-être toutes les difficultés de novices. Et on a fini, malheureusement, par abandonner l'opération. Alors aujourd'hui, on se sent un peu... On n'est pas très à l'aise, parce que quand on voit en plus la situation aujourd'hui dans le pays, on se dit, si tous les pays occidentaux lâchent la Birmanie, j'irai pas plus loin. Oui, je comprends très bien. Merci pour cet exemple, ce retour d'expérience. Compte tenu du temps qui nous est imparti, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, Monsieur Guéquière, par exemple, ou Madame Le Riche ou Madame Parel, si vous voulez ajouter quelque chose ou illustrer cette question à travers des cas concrets, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous repose toujours la même question, celle des freins, celle des obstacles qu'on peut rencontrer sur le terrain. Effectivement, déjà en propos introductif, pour répondre à Monsieur, quand vous avez des associations qui sont en difficulté par rapport au fait de remplir les appels à projets ou toute autre forme administrative, vous pouvez les envoyer vers SoCoopération, principalement sur la Nouvelle-Aquitaine ou PSO, plus largement sur l'aspect technique. Et donc, du coup, ces deux structures sont vraiment là pour vous aider à faire monter en compétences vos structures partenaires pour pouvoir permettre l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Et ensuite, pour répondre à votre question, des freins que j'ai pu connaître dans ma précédente vie, c'est justement tout cet aspect formation. C'est-à-dire, ça a été évoqué tout à l'heure, mais tout ce qui est l'échange de savoir est vraiment super important pour pouvoir avoir la pérennité du projet, parce que c'est un projet qui est durable, c'est vraiment nécessaire. Et l'Agence de l'eau, dans ses appels à projets, est très sensible à cette pérennité. Et c'est vraiment très important, parce que si on investit dans un puits, que derrière, le jour où le puits, où la pompe à motricité humaine, comme on a parlé tout à l'heure, où on a pu voir tout à l'heure, tombe en panne et qu'il n'y a pas les compétences pour pouvoir les réparer, il faut recommencer à creuser un puits à côté. C'est pas viable et on peut tirer les ficelles. On n'a peut-être pas le temps de les tirer justement ces ficelles. Merci beaucoup Maxime Guéquière, Irvine Apparel. Un autre exemple, un autre retour d'expérience, un autre point de vigilance sur ces obstacles et ces freins. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux difficultés que vous aviez rencontrées en Birmanie. Il existe des associations qu'on appelle dans le milieu des opérateurs projets, en fait, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre de leur coopération. Donc pour la composante opérationnelle du projet, en fait. Ça va vraiment couvrir toute la totalité. C'est-à-dire que pas la démarche politique, bien évidemment, parce que c'est la collectivité qui va l'effectuer, mais il y a des associations qui peuvent accompagner au montage de projets, à la réalisation, à la recherche de financement, et notamment les associations qui sont dans ce domaine-là ont des bonnes connaissances des contextes des pays et peuvent vraiment faciliter au niveau culturel ou au niveau politique les échanges bilatéraux. Voilà. Merci Irvina pour ces précisions. Marion Le Riche, un petit mot là-dessus ? Oui, peut-être juste un mot sur ce qu'évoquait M. Pénidon sur les appels à projets qui diffèrent un petit peu du dispositif de soutien que vous avez au 47. Un appel à projet, finalement, c'est un dispositif financier avec une deadline, un règlement, des modalités beaucoup plus fixées et une communication peut-être beaucoup plus claire et relayée au sein des réseaux sur Internet et sur les territoires. Donc en Nouvelle-Aquitaine, il y a plusieurs dispositifs d'appel à projets qui existent.
sur toutes les thématiques, mais il y en a également plus spécifiquement sur la thématique de l'eau et de l'assainissement. Il y a la région Nouvelle-Aquitaine qui a un appel à projet de développement solidaire qui peut financer des projets dans ce domaine. Il y a Bordeaux Métropole qui porte un appel à projet Solidarité Eau. Il y a également actuellement les agences de l'eau, les 6 agences de l'eau qui se sont mises ensemble pour financer des projets aussi dans ce domaine, donc à l'échelle nationale et sur les territoires de coopération institutionnelle des agences. Et il y a également des projets plus territoriaux. Donc là, il y a le Grand Angoulême qui en lance un qui vient d'être lancé là, donc vraiment pour les acteurs du territoire de Grand Angoulême, avec des liens également sur les déchets, puisqu'on voit aussi qu'il y a vraiment des passerelles entre les différentes thématiques. Donc il y a vraiment différentes échelles, les collectivités s'engagent aussi à leur échelle territoriale et selon les moyens dont ils disposent. Donc nous, on est vraiment là aussi pour faire connaître aux acteurs ces dispositifs et les accompagner pour avoir des projets qui sont un peu de meilleure qualité, dans les clous, etc., pour prendre le temps de la construction aussi. Il ne faut pas aller trop vite, il vaut mieux viser la qualité. Okay, message reçu, y compris entre les lignes. Merci pour vos messages. Et vous avez un petit peu anticipé, mais tant mieux, sur la question que je voulais vous poser ultérieurement, à savoir quels sont les leviers. Mais vous venez de nous faire part d'un certain nombre de facteurs clés de réussite, en quelque sorte, hein, qui peuvent aider, évidemment, les porteurs de projets. Monsieur Minot, je reviens vers vous de nouveau pour vous poser la même question. Du coup, dans la foulée, à la fois, quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer, même si vous nous avez laissé entrevoir quelques-uns. Quels sont pour vous les points de vigilance les plus importants à connaître? Et puis, vous pouvez enchaîner, si vous le souhaitez, pourvu que vous soyez concis pour ce faire, sur les recommandations en termes de leviers qui vous auraient permis de faciliter vos actions. Alors, les difficultés, je pourrais vous en faire une liste infinie parce que... J'imagine, il nous faudrait l'après-midi peut-être. J'ai rencontré un certain nombre, au-delà de celles que j'évoquais, de type crise Ebola, etc., qui sont des événements, bon, mais voilà, quand vous les subissez, puis qu'est-ce que vous voulez faire? Vous attendez, et puis tant que vous pouvez préserver quelque chose, tant mieux. Après, il faut, je dirais, s'adapter au contexte local, s'adapter aux conditions politiques locales. Il y a la vie politique dans le pays où vous intervenez, elle est parfois pas plus simple ni moins simple que celle que vous subissez, que vous vivez en France. Donc, vous pouvez avoir des événements comme ça, des changements de gouvernance. Vous pouvez avoir aussi, il faut s'adapter aussi à tout un tas de problématiques. Moi, j'ai été confronté à beaucoup de problématiques de logistique, c'est-à-dire de transport, de déplacement. Aujourd'hui, ce qui me coûte cher, moi, c'est d'envoyer un 4x4 de la base à faire 20 km en saison des pluies et où il tombe 3 mètres d'eau en 6 mois. Donc ça c'est plus compliqué que de trouver un maçon pour faire une margelle sur un puits. L'estimation des coûts, je ne sais pas, moi, estimer les coûts guinéens. C'est les techniciens guinéens qui le font, parce que vous avez des coûts, les charges, enfin le personnel. Si vous faites construire un ouvrage, le personnel a un coût horaire ridiculissime. En revanche, toute pièce importée, même minime, coûte très cher par rapport à l'économie du projet. Donc vous avez des nouvelles références comme ça qu'il faut intégrer. Ce n'est qu'un exemple. À côté de ça, les leviers, c'est de, je répète, c'est quand même de s'intégrer dans la, aussi dans les politiques locales ou nationales. C'est-à-dire que on n'a pas, nous, inventé un système de gestion de l'eau. Ça répond aussi à une politique nationale de service public de l'eau guinéen, transcrit dans un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires. Donc, on doit s'appuyer là-dessus. Il ne s'agit pas de passer outre. Et après, c'est de, par exemple, ça fait partie des choses importantes, et ça crée aussi des leviers, parce que du coup, votre action, elle est reconnue à l'échelle nationale en Guinée, au-delà de l'échelon local. Ça peut faire un peu tache d'huile, ça peut faire un peu référence en toute modestie, hein, mais parfois c'est intéressant. Et puis du coup, vous devenez un peu, petit à petit, là aussi, j'ai noté la question de progressivité, peut-être de modestie du projet, et puis après, on le développe. Et ça, c'est important. Je disais, on a été
soutenue par l'UNICEF, mais l'UNICEF ne va pas vous donner 600 000 dollars comme ça du jour au lendemain pour faire des doliques villageoises. Ça veut dire que vous avez préalablement fait un certain nombre d'actions. Il va falloir faire ses preuves. Vous êtes très crédible. Mm-hmm. Voilà, donc c'est aussi de la continuité. Moi, je pense que le mot essentiel là-dedans, c'est la continuité. C'est ça qui crée les leviers. Et la progressivité, la montée en puissance progressive, en tout cas, des projets pour qu'ils soient crédibles et durables, si je vous entends bien. Merci beaucoup, Monsieur Minot, Denis Minot. Je me tourne une dernière fois vers vous, Monsieur Davila, si vous le voulez bien, puisque Marion Le Riche a fait allusion au dispositif ou à l'aide que pouvait apporter la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous voulez bien y revenir, juste rapidement, même si vous avez compris le principe? Est-ce que vous voulez y ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Marion Le Riche a été parfaite dans l'exercice de présentation. Très exhaustive sur la présentation, oui. Exactement. Okay. Il est effectivement l'appel à projet. Il est actuellement ouvert. Donc toute structure qui porte un projet de coopération internationale peut présenter un projet dans plusieurs régions du monde, dans des régions éligibles à l'aide publique au développement. Et on incite les porteurs de projets, quels qu'ils soient, à se rapprocher des structures comme Soco Opération ou PSO pour se faire accompagner dans le montage du projet, parce que justement, on souhaite soutenir des projets qui, autant que faire se peut, évite tous les pièges, les nombreux pièges qui se dressent devant eux. Merci beaucoup. En prie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, peut-être au niveau des difficultés auxquelles on peut faire face dans ces projets-là sur le terrain. C'est en fait, on s'en doute pas forcément, mais il y a beaucoup de monde sur certaines zones de coopération. C'est le cas au Burkina Faso. Il y a beaucoup, beaucoup d'interventions, que ce soit de petites associations, de grosses ONG, de programmes multilatéraux comme Banque africaine de développement pour le Burkina Faso ou des différents programmes onusiens. Et en fait, une des grosses difficultés, c'est de coordonner les actions des uns et des autres. Les autorités locales le font difficilement parce que bon nombre de projets, de porteurs de projets ne s'enregistrent pas dans les pays d'aide au développement. Et on peut se retrouver dans certaines zones à créer des embouteillages de projets de développement. On l'a observé à de multiples reprises sur notre région partenaire au Burkina Faso. Et c'est pas sans poser des problèmes d'efficacité de l'aide, mais aussi de pression sur les ressources qui sont faibles et qui s'amenuisent, parce que du coup on va sur certaines zones avoir de nombreux forages qui ne sont pas enregistrés, des pompages des fois anarchiques avec des pollutions de nappes qui sont pas voulues mais qui sont certaines. Donc voilà, sur des zones à fort stress hydrique, ce travail de coordination, il est extrêmement important à mener. Nous, on s'emploie avec nos partenaires à justement faire ce travail de coordination des actions de développement. Merci Sylvain Davila. Valérie Baïche, un message également peut-être de l'agence et des agences que vous représentez en général qui s'impliquent peut-être de la même manière sur d'autres bassins. Un message en matière de difficultés ou d'obstacles que vous auriez pu observer et s'ils existent, quels sont à contrario les leviers ou les dispositifs qui peuvent contribuer à faciliter les actions au contraire? Alors, il y a des obstacles au nord et des obstacles au sud. Je pense que dans le panorama de ce qui a été présenté par les collectivités qui témoignent là aujourd'hui des problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain, je pense qu'on a fait un bon balayage. Après,
Il y a des mots qui ont été dits qui sont importants. Je pense qu'il faut faire attention sur le périmètre du projet. Il vaut mieux un projet phasé, c'est-à-dire un projet qui fonctionne étape par étape, plutôt qu'avoir une très grosse ambition de départ et se rendre compte au bout de 18 mois qu'on s'est noyé et que ça ne marche pas et qu'on n'y arrive pas. Donc, nous, on est assez attentifs dans les agences, effectivement, à toutes ces questions de durabilité, ces questions de pérennité, mettre en place, effectivement, les formations, les moyens financiers, techniques, la maintenance qui permettra de s'assurer que le projet sera durable. En amont du projet, s'assurer qu'il correspond à une vraie demande de la population aussi, qu'il y a un vrai diagnostic local qui a été fait et que ce n'est pas simplement un desiderata un peu isolé d'un élu local ou d'une administration locale, qu'il y a vraiment une concertation qui a été faite et que le projet est bien approprié, qui correspond à des besoins, ça c'est important aussi. Donc il y a le périmètre du projet, il y a le diagnostic de départ, il y a la pérennité. Et puis aussi, les difficultés qu'on rencontre, nous, en tant qu'agence de l'eau, hein, pour le coup, c'est que dans le cadre de la loi Houdin, les agences de l'eau sont assez proches de la limite budgétaire qu'elles peuvent consacrer à ces projets-là. Et aujourd'hui, le vrai frein de la coopération décentralisée et des projets de solidarité en matière d'eau et d'assainissement, c'est l'engagement des collectivités. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, le potentiel mobilisable, le potentiel théorique mobilisable par les collectivités en France, si elles étaient plus nombreuses à mobiliser le dispositif du 1% ou d'un centini, est encore énorme. Voilà. Donc les agences, elles sont un peu au bout de leur enveloppe budgétaire. Donc on a tous progressé hein, ces ouais. dernières années. Les agences, les associations, on est sorti de la naïveté, on est sorti de l'humanitaire pur pour vraiment être dans de l'aide au développement. Je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est le mot développement. Parce qu'humanitaire, c'est un petit côté one shot, urgence. C'est pas ça, hein, les actions sur lesquelles on est. C'est vraiment des choses qui s'inscrivent dans la durée. Aujourd'hui, la difficulté, c'est d'arriver à mobiliser des nouveaux partenaires, à mobiliser des nouveaux acteurs, des nouvelles collectivités qui ont envie effectivement de s'engager, y compris en commençant par des choses assez modestes, mais voilà, de mettre le pied à l'étrier de nouveaux acteurs pour enclencher des nouveaux projets. Et je souscris tout à fait à ce qui a été dit par le représentant de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai qu'il y a des territoires où on a un peu de mal à voir qui fait quoi. Oui, je vous ai vu, approuver tout à l'heure son intervention quand il évoquait les embouteillages de projets parfois. Alors bon, c'est pas forcément de l'embouteillage, mais c'est vrai que même les représentations diplomatiques françaises, parfois, ont un peu du mal à suivre. Mmh. Et il y a des pays comme ça qui ont focalisé l'attention. Il y a le Burkina Faso, il y a Madagascar aussi, qui est un territoire sur lequel beaucoup d'intervenants sont mobilisés. Donc c'est vrai que cette vision locale, elle est parfois un peu difficile à suivre. Et puis il y a quand même deux problématiques urgentes là, qui se posent maintenant dans la plupart de nos dossiers. C'est le Covid, depuis l'année dernière, qui ralentit pas mal de dossiers. Ça ne remet pas en cause des projets, mais ça les ralentit. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont stoppées et qui ne peuvent pas s'enclencher, les phases ne peuvent pas se suivre comme c'était prévu parce que le Covid est vraiment, une problématique. Et puis, il y a aussi des zones d'intervention classiques qui sont fortement perturbées par des problèmes de sécurité. Toute la zone sahélienne, notamment, c'est des zones dans lesquelles il commence à être vraiment très, très compliqué de porter des projets. Donc voilà, ça c'est deux préoccupations majeures aujourd'hui, c'est les questions de sécurité et puis la manière dont la pandémie va rebattre les cartes en matière d'échéance et en matière de réalisation des projets. Merci Valérie Baïch. En tout cas, parmi les nombreux facteurs clés de succès que vous avez pu évoquer les uns et les autres, nous aurons bien compris quels étaient selon vous les critères d'éligibilité et ces points de vigilance à travers les critères qui retiennent votre attention. Maxime Guéquière, encore un mot là-dessus, peut-être, juste avant de poser une dernière question à nos porteurs de projet, aux acteurs qui connaissent concrètement le terrain, eux aussi, Gérard Pénidon et Denis Minot. Oui, donc je voudrais juste revenir sur cette histoire d'embouteillage de projets. Mmh. Au sein de SOCOOPération ou de PSO, il y a des groupes thématiques sur des pays. Les assos, mais également les collectivités, les entreprises et les universités peuvent s'inscrire dans ces rencontres thématiques sur un pays. Et je pense que c'est une bonne façon de pouvoir voir un peu ce qui se passe. Je pense notamment, par exemple, à celui de PSO sur Madagascar, dont j'ai oublié le nom, Rano, voilà, ouais.
Et donc, du coup, ça, c'était le premier point. Et le second point, pour les élus qui nous regardent et qui veulent s'impliquer sur ce 1% pour l'eau, il faut qu'ils prennent en compte qu'il y a aussi d'autres 1%. Il y a le 1% déchets, il y a le 1% électricité. Et prochainement, il y aura certainement le 1% transport. Et du coup, avoir des projets qui intègrent ces quatre thématiques, je pense que c'est encore plus bénéfique pour les personnes qui vivent sur place. Et 1%, comme je disais tout à l'heure, c'est rien sur la facture individuelle de chaque administré. Et là-bas, ça peut apporter vraiment beaucoup. Je pense à notamment à la précédente vie, j'ai participé avec une association à apporter des toilettes dans une école au Maroc il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, les premières jeunes filles de ce village-là sont à l'université. Donc quand on parle de développement, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, c'est ça aussi, en fait, apporter de l'eau et des toilettes, c'est aussi apporter l'éducation. Et je suis sûr que ces enfants-là iront plus loin dans leur scolarité et aideront encore plus leurs parents à améliorer leurs conditions de vie. Là, on est vraiment dans le développement pérenne et bien au-delà du sol humanitaire, comme ça a été dit précédemment. Gérard Pénidon, j'avais une dernière question, enfin, à moins que vous ayez d'autres choses à nous proposer, mais il y a une autre conséquence au projet du type de ceux que vous portez, un effet secondaire, si je puis dire, ou collatéral, je ne sais pas, mais en tout cas, probablement positif, j'imagine, c'est l'impact que ça peut avoir sur vos propres territoires, sur ceux sur lesquels vous intervenez ici, en France, en Nouvelle-Aquitaine. Quelles peuvent être les retombées du type de projet, de ce type de projet sur les territoires et les populations dont vous vous occupez dans votre métier de tous les jours? Alors, si on pouvait passer les diapos qu'on a envoyées. Vous avez des diapos là-dessus? Il y en a une qui m'intéresse en particulier pour répondre à la question. Alors, allez-y, faites dérouler. Je vous arrêterai quand on y arrivera. Allez-y. Voilà, celle-là. Donc, alors, ce n'est pas une retombée ou une conséquence sur le territoire, mais c'est plutôt une retombée sur nos collaborateurs, nos techniciens qui, aujourd'hui, créent des projets, développent de l'eau potable, développent de l'assainissement, renouvellent, avec des projets et puis des moyens. Alors, ce que vous voyez là, c'est la réalisation d'une station d'épuration pour un hôpital à Madagascar, donc la commune de Mananjari, qui a vu se réaliser son hôpital. Donc, on a épaulé l'association LADRAR, une goutte pour LADRAR, pour le captage de l'eau et l'amener de l'eau potable à l'hôpital. Et il fallait, une fois qu'on avait amené l'eau à l'hôpital, assurer l'assainissement de cet hôpital. Donc, on a conçu le projet de la station d'épuration. C'est un lien macrophyte. On est sur des technologies très, très écologiques et très, très fonctionnelles. Sauf que, on a fait le projet. On l'a confié à l'association. Elle est partie là-bas pour réaliser. Puis, premier voyage, mais on ne sait pas faire. On est capable de faire des trous, mais de là à ce que les trous conviennent, que les pans taillent bien, que les drainages soient bien posés, ils ne savaient pas faire. Donc, ils sont rentrés, ils nous ont demandé de quoi payer un maître d'œuvre. Et puis, on leur dit, non, on ne va pas vous donner des sous. On va envoyer un de nos collaborateurs, on va envoyer un technicien qui va vous épauler sur la réalisation, qui va servir de maître d'œuvre sur l'opération. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'arrivé sur place, notre technicien s'est aperçu que le bassin, il lui manquait un mètre de profondeur. Et là, ce qui a été assez intéressant, c'est la réaction du technicien qui s'est dit « c'est pas un problème, une demi-journée de pelle et puis c'est réglé ». Mais non, parce qu'il n'y a pas de pelle mécanique, effectivement. Oui. On retrouve ce que disait Denis tout à l'heure, à savoir que y a des sacs en toile de jute et puis il y a des dos d'homme et des pelles. Et il a passé tout son séjour pendant lequel il aurait dû procéder à la réalisation complète de la station, en fait, à décaisser un mètre de profondeur sur la totalité de l'ouvrage. Et quand il est rentré, il était un peu frustré parce qu'il n'avait fait que ça. Et la conséquence que ça peut avoir pour nous, ce genre d'opération, c'est de faire prendre conscience à nos techniciens, à nos ingénieurs, que concevoir avec des ordinateurs, réaliser avec des pelles avec mécaniques, des pelles, avec se faire livrer du matériel avec un coup de téléphone. Et puis, tout ça, c'est très occidental, finalement. Et encore, en période de Covid, on a compris que c'était plus compliqué.
Et en fait, ça leur permet de comprendre que bah, finalement, les choses sont parfois plus compliquées et que bah, chez nous, il faut qu'on aille plus loin que ce qu'on voudrait faire puisqu'on a des moyens beaucoup plus puissants. Et puis, quand on les envoie là-bas, bah, la prochaine fois, ils seront peut-être moins surpris. Ils s'y prendront un peu mieux. Merci pour ce témoignage. Au passage, je vous avoue qu'il m'avait échappé que certaines des diapos que nous avons vues défiler parfois un peu rapidement concernaient vos propres projets. Hein. Je les ai certainement confondus avec ceux de O17. Et donc, du coup, Monsieur Minot, même question pour terminer. Avez-vous un témoignage concernant les effets que peuvent entraîner vos actions très loin d'ici sur votre propre territoire ici en France? Ah ben, de toute façon, c'est une action d'abord qui est plébiscitée par les élus, c'est-à-dire qu'ils sont quand même attachés à ce qu'on poursuive ces actions, surtout quand on a des résultats tangibles à apporter. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est bien aussi, c'est que par le biais de l'action là, sur un peu plus de 10 ans, travaillé de façon très collaborative au sein des structures techniques du département de la Charente-Maritime. Et au-delà des actions un peu classiques qui se faisaient autrefois en matière d'accompagnement du développement de la préfecture de Boffin en Guinée, eh bien, on a peu O17, qui est un peu le bras armé du département en matière d'eau, a pris en charge la problématique hydraulique, mais il y a les sauniers de l'île de Ré qui ont transféré des compétences de production de sel solaire dans la mangrove de Guinée qui avant était arrachée et brûlée pour faire chauffer de l'eau salée et récupérer du sel. Et très récemment, le directeur du port de pêche de la Cotinière s'est engagé aussi pour superviser un projet de réaménagement de port de pêche de Boffa. Donc c'est aussi un autre exemple de la façon dont on peut travailler de façon collaborative. Et là, on est actuellement en train d'engager aussi les services du département sur des coopérations en Guinée où on a d'autres projets sur Djibouti. Donc il y a comme ça un effet boule de neige qui me paraît assez positif, où on trouve toujours les personnes ressources. C'est intéressant, je trouve, cet état d'esprit d'avoir cherché les ressources locales pour développer un autre aspect d'un projet, par exemple sur un même territoire. Merci pour ce retour d'expérience, là encore une fois très très concret. Monsieur Pénidon, si vous le voulez bien, un dernier mot. Ce n'est pas parce que vous êtes présent physiquement, je voudrais donner cet avantage ou le mot de la fin. Mais là aussi, encore une fois, pour nous projeter un peu et en termes de perspective, quels sont les projets, sans jeu de mots, qui seraient dans les tuyaux vous concernant, malgré les circonstances, malgré les écueils rencontrés sur le terrain, malgré le Covid, comme vient de le rappeler Valérie Baïche, quels sont vos prochains projets ou les sujets qui sont sur la table? Alors, les sujets qui sont sur la table, c'est déjà de continuer à aider les associations qui viennent nous trouver ou à travers les appels à projets pour continuer ce, entre guillemets, saupoudrage à travers la planète sur ces projets. Mais ce qui nous motive le plus, c'est effectivement de reconstruire un projet de coopération décentralisée pour une continuité, pour une construction durable. Et là, on a tout à refaire, finalement. Mais on est peut-être plus riche puisqu'on a déjà une expérience, même si elle a été pas très pertinente. Mais on est riche de cet enseignement. Mmh. Et donc, peut-être, en s'appuyant sur des partenaires qu'on n'avait pas à l'époque, peut-être qu'on va arriver à monter un projet durable. Et j'imagine que tout ce que vous pouviez considérer comme des échecs sont en fait de l'expérience nouvelle, comme vous l'avez dit. Il faut le prendre comme ça, oui. Et qu'il faut intégrer comme tel pour tout pouvoir continuer d'avancer. En tout cas, on a compris toute votre motivation. Je vous laisse, si vous le souhaitez, l'un ou l'autre, ajouter quelque chose. Il nous reste une minute ou deux pour ce faire. Mais je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez exhaustif de vos métiers, de ce que vous faites, de vos engagements. Alors, quand je parle de vos métiers, c'est évidemment à double sens, hein, vos métiers au quotidien, sur le terrain de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi, on a compris, votre métier de bénévole ou impliqué dans les projets qui se passent bien plus loin. On l'a vu à travers vos différents échanges, à travers vos différents exemples.
un peu partout dans le monde. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons, c'est de pouvoir continuer sur cette lancée et d'avoir fait des émules, puisque tel était aussi l'un des objectifs de notre table ronde, que de pouvoir motiver un certain nombre d'autres acteurs comme vous, d'autres établissements publics, d'autres collectivités, pour s'inscrire dans des projets aussi motivants que ceux que vous animez aujourd'hui. Merci à toutes et tous. Merci à vous qui nous regardez, qui avez participé à distance. Merci à nos intervenants à distance également, Denis Minot, Sylvain Davila et Valérie Baïche. Et merci en particulier à Irvina, Marion, j'essaye de me rappeler tous les prénoms, Maxime et Gérard Pénidon. Pour terminer, merci à vous pour votre présence ici, merci, à Bordeaux. 3, 2, 1... À tout hasard, pour celles et ceux qui seraient encore en ligne avec nous,